Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire un petit quelque chose. Vous ne rêvez pas, et ceci n'est pas une blague, cette vidéo est garantie 100% sans FPS. Oh mon dieu, ce God, c'est fou, t'es si original hein. Effectivement, fallait bien que je rétablisse l'ordre des choses, parce que, sachez-le, mon bingo du storyteller ne va pas se remplir tout seul. Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui n'a jamais été abordé sur YouTube, une licence tellement peu connue et sous-cotée qu'il fallait que je lui donne un peu d'audience. Mais avant tout, j'ai d'abord une question pour vous. Est-ce que vous aimez vous faire humilier? Sgout, le troisième coup, tu le connais, putain! Allez, dans ta gueule! Vous faire traîner dans la boue à un tel point que vous en perdez la tête. Eh bien, sachez que je n'ai pas 10 ans de retard et que les jeux de From Software sont faits pour vous. Mais je dois l'avouer, j'ai menti en disant qu'ils n'étaient pas très populaires. Parce que s'il existe bien un jeu qui a propulsé la renommée d'un studio en avant, il s'agit d'Elden Ring. Mais, avant de commencer mon speech sur le meilleur jeu de l'année 2022, j'aimerais parler des anciennes productions de From Software ou des Souls de manière générale. Il s'agit de jeux d'action-aventure à la troisième personne qui ont pour réputation d'être difficiles. Pardon, non, très difficiles. Ah, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, je vais sûrement m'améliorer. Ils sont d'ailleurs considérés comme tellement difficiles qu'environ 30 à 40% des joueurs arrêtent d'y jouer dès la première heure. Parce que forcément, se faire bouillave à répétition, c'est pas le truc le plus agréable qui soit. Mais c'est pas plus mal. Étant donné qu'on incarne un personnage qui doit rétablir l'ordre des choses, donc littéralement sauver le monde. C'est pas la tâche la plus simple, surtout que les développeurs sont de véritables sadiques. Bien évidemment, ce ne serait pas drôle si les lieux étaient simplement beaux. Non, non, non! Il faut obligatoirement les remplir de centaines de monstres différents qui sont tous prêts à vous sauter à la gorge. Parce que From Software adore vous voir mourir. Et chaque pas est une chance de plus de tomber dans un piège invisible ou de se faire écraser par un boss colossal. Ah, mais ça va. Et si j'allais m'ouvrir les veines maintenant? C'est un game design très particulier, mais juste avant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'encore plus fabuleux. Vous savez, grâce à Elden Ring et ses protagonistes, j'ai pu récemment découvrir que j'avais des doigts. Et ils sont très beaux. En plus de ça, j'ai découvert que je pouvais y mettre des bagues. Mais le problème, c'est qu'à l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pu équiper que des vieux trucs claqués à 10 balles. Mais, et je suis sûr que vous ne l'avez pas vu venir, grâce à Allskern, le sponsor d'aujourd'hui, je peux me permettre de porter quelque chose de sobre et élégant avec une super belle finition. Et puisque vous tenez vraiment à le savoir, Allskern, c'est un petit fabricant de bijoux très esthétique et assez classe qui nous viennent d'Autriche, dont vous n'avez certainement jamais entendu par... Non, je déconne, ils sont partout. Et à raison, parce que leurs produits sont vraiment intéressants. Bah regardez ça, c'est beau quand même, non? Et puis, si vous utilisez le code SGOAT, vous pourrez profiter de 10% de réduction. Et pour votre plus grand bonheur, sachez qu'Allskern ne se limite pas aux bagues, parce qu'ils proposent également des montres et bracelets, tous fabriqués avec des matériaux naturels comme le bois ou le marbre. Et c'est ce qui rend leurs produits uniques, grâce aux grains dans les matières naturelles. En plus de leur esthétique soignée, Allskern s'est également engagé dans une démarche éco-responsable en utilisant des matériaux durables et en soutenant des projets de reforestation. Vous pouvez donc vous faire non seulement plaisir avec des bijoux magnifiques, mais aussi contribuer à la protection de l'environnement. Et ce n'est pas tout! Allskern propose également une gamme de lunettes de soleil avec des montures en bois. De quoi parfaire votre look avec style et originalité tout en bénéficiant d'une protection UV optimale. Alors que ce soit simplement pour vous ou pour offrir, Allskern a forcément quelque chose qui fera votre bonheur. Donc si comme moi vous aimez les objets uniques qui se démarquent, vous allez adorer leur collection. Dans ce cas, n'hésitez pas à passer par le lien en description et utiliser le code SGOAT pour profiter d'une jolie réduction. Avec tout ça, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui! Le game design très particulier et punitif des Souls a été imaginé par Hidetaka Miyazaki, un homme qui est devenu directeur du studio ayant permis de propulser ce genre de niche au sommet. Mais le problème, c'est que même si leurs jeux sont très jolis avec des musiques incroyables et tout ce que vous voulez, une expérience trop exigeante, ça n'intéresse pas la masse. Le grand public, il aime se divertir et pas se faire du mal en dehors de ses penchants sexuels tordus. Du coup, même si la notoriété de la licence a toujours été immense, ses ventes, elles, étaient juste très bonnes. Pour remédier à ça, les développeurs se sont pété le crâne pour imaginer un jeu en monde ouvert avec le gameplay des Souls. Et j'imagine même pas à quel point ça a dû être un casse-tête de vouloir innover tout en conservant sa formule initiale. Ils ont alors décidé d'annoncer Elden Ring en 2019. Même si on n'y comprenait pas grand-chose, moi j'étais ultra hypé. Mais j'avais quand même une énorme crainte. Je me disais que ces gars, aussi talentueux soient-ils, n'avaient jamais fait de vrai monde ouvert. Et normalement, ça c'est pas une bonne nouvelle, parce que leurs jeux ont toujours été fragmentés en monde semi-ouvert. Ça s'est quand même élargi avec Sekiro, mais on est très loin d'un monde ouvert de plusieurs kilomètres carrés où tu peux te balader sans qu'il y ait un mur qui t'empêche de passer. Alors, après cette première bande-annonce, les jours ont défilé. Et heureusement, la deuxième est arrivée très vite. Après seulement... 731 jours. Ou plutôt... Longues années. Heureusement pour eux, la bande-annonce qu'ils nous ont montrée après tout ce temps était incroyable. Il y avait tout ce qu'il fallait pour nous donner envie. Un bestiaire hyper varié, des boss charismatiques, une musique divine et un gameplay aux petits oignons. Du coup, j'ai fait un truc que je m'étais promis de ne plus jamais refaire après Cyberpunk. J'ai précommandé le jeu. Et j'ai eu raison, parce que ça m'a permis de lancer Day One, l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et non... Sorry, je viens de vous niquer toute votre hype. Mais même si je l'adore, je ne peux pas utiliser cette musique. Et vous allez comprendre pourquoi.
Alors je m'excuse auprès de certains qui devaient sûrement être en transe au démarrage du son, mais voilà, ça le fait pas. Pourtant, j'aurais adoré créer une intro musicale avec elle, parce que ça fait partie des choses que j'adore dans mon taf de montage. Mais le problème, c'est qu'elle ne représente pas du tout mon vécu. Cet tambour grandiose et cette sonorité épique, ça ne reflète pas mon expérience. Pourtant, vous savez, il y a un truc qui me titille l'esprit. À sa sortie, on a vu beaucoup de monde appeler cet épisode Dark Souls 4, mais en étant pointilleux, je trouve pas du tout que ce soit adapté. Parce que là où le dernier épisode des Souls mettait le paquet sur le côté épique et grandiose, Elden Ring a complètement atténué cette sensation en proposant quelque chose de totalement différent. Au début de l'aventure, j'y ai joué en attendant les boss comme des messies, parce que c'est l'une des grandes forces de From Software que j'appréciais le plus. Alors, connaissant leur savoir-faire, je m'attendais à du caviar pour chacun d'entre eux. Des affrontements encore meilleurs que dans leurs épisodes précédents. Mais malheureusement, et c'est comme ça, ça n'a pas été le cas. Honnêtement, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. Ils m'ont offert dans le passé des moments qui font aujourd'hui partie des plus intenses que j'ai pu vivre dans un jeu vidéo. Alors forcément, j'avais des attentes démesurées. À cause de ça, j'arrivais pas à apprécier correctement ce qui se trouvait en face de moi. Je pense que les boss d'Elden Ring sont un poil en dessous de ce qu'ils ont pu faire auparavant. Mais ça reste tellement au-dessus de ce que propose l'industrie en général que j'ai pas le droit de me plaindre. Surtout que certains d'entre eux sont vraiment magistraux. Franchement, c'est pas si grave que les boss n'aient pas été au niveau dont je rêvais. Parce que, faut savoir un truc, c'est que si From Software s'est confirmé comme étant l'un des meilleurs studios de l'industrie avec Elden Ring, c'est pas pour rien. Cette fois-ci, comme il y a un open world, ils ont dû se concentrer sur une quantité inimaginable de contenu supplémentaire. C'est le tout premier monde réellement ouvert de From Software et ça a impliqué des choix. Comme le fait d'allonger le parcours entre deux boss principaux de l'histoire. Ça paraît peut-être anodin, mais ça l'est pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le joueur s'amuse davantage dans des zones beaucoup plus vastes? Ben, c'est facile à dire, mais moins à faire. Il faut lui donner envie d'aller explorer. Et ça tombe bien, parce que dans Elden Ring, c'est absolument brillant. Ils ont quand même réussi à rendre leur jeu aussi addictif qu'une production Bethesda. Et pourtant, bon Dieu sait à quel point ils sont forts pour me donner envie d'aller reprendre une dose. L'exploration d'Elden Ring, c'est vraiment l'un des plus gros points forts du jeu. Elle est récompensante, intéressante et satisfaisante. Vraiment, ça m'arrive plus jamais de vouloir fouiller un monde ouvert dans le moindre petit recoin possible. À la sortie du jeu, j'en étais drogué et je sortais plus de chez moi. Ma copine a envie de me voir. On verra bien, elle sera compréhensive, non? Y'a tout le temps un petit truc intéressant à découvrir avec 10 000 carottes devant soi, toutes plus intéressantes les unes que les autres dans un univers ultra cryptique. Ce qui est dingue, c'est que dans n'importe quel autre jeu, on te file la carte du monde dès le début, donc tu sais déjà plus ou moins à quoi t'attendre. Tu sais visualiser la suite de ton parcours, et tu sais surtout que la surprise ne sera pas au rendez-vous. Elden Ring, lui, il en a rien à foutre. Et c'est tant mieux, laissez-moi me démerder tout seul. Il laisse le joueur faire sa propre aventure tout en lui disant « Hey mec, mon jeu il est 500 fois plus grand que ce que tu pensais !» Enfin, y'a même un ascenseur qui t'emmène si profondément sous terre qu'il te fait comprendre qu'il y a une deuxième carte souterraine. C'est fou, et ça te donne une envie supplémentaire d'aller plus loin dans l'exploration, parce que c'est un plaisir de découvrir ce monde qui semble toujours cacher quelque chose de plus. Alors on explore, on va un peu plus loin, on découvre des morceaux de cartes qui permettent d'élargir la nôtre, pour à chaque fois se rendre compte que c'est encore plus grand que prévu. Et puis, il y a un moment, quand tu te balades dans les zones de départ, tu t'amuses, et tu te retrouves devant cette petite tour. Curieux d'y pénétrer, et fort de mon expérience, on y rentre facilement. On y grimpe, et tout au-dessus se trouve un coffre contenant toute la magie d'Elden Ring. Littéralement, là-dedans se trouve la philosophie des développeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est toujours au début. Genre, là c'est le point de départ, et nous, on est ici. On est entre 3 et 4 minutes à cheval en ligne droite. Ce que je veux dire, c'est que personne ne pouvait prévoir ce qu'il y a dedans. Personne ne pouvait prévoir d'être téléporté au bout du monde. La claque qui m'a fait comprendre que c'était l'un des plus grands jeux auxquels j'ai pu jouer, c'était précisément ici.
en dessous de cet arbre si mystique que je ne pensais même pas pouvoir approcher. Personnellement, c'est exactement comme ça qu'on parvient à toucher mon cœur de joueur, en me surprenant de la meilleure des manières. C'est ce qui est dingue avec Elden Ring, il te prend jamais par la main, il préfère t'emmener dans un fil conducteur réfléchi qui laisse sa place à l'inattendu. C'est une aventure qui se renouvelle constamment, avec des coups de théâtre qui ne s'arrêtent jamais. Quand j'y réfléchis bien, c'est l'un des seuls jeux vidéo au monde où j'avais l'espoir de me faire surprendre par la suite. Et vous savez, la carte du monde dont j'ai parlé précédemment, bah elle sert exactement ce but, que ce soit dans sa manière de nous guider ou par son esthétique. C'est une carte faite à la main, inspirée par les cosmographes du 15 et 16e siècle qui te donne envie de la comprendre et l'analyser par toi-même. Tout est fait pour nous donner l'impression que notre personnage découvre et dessine le monde en même temps que nous, révélant des informations au fur et à mesure de notre progression comme un rideau qui se tire de plus en plus. Avec tout ça, la découverte d'un nouveau lieu procure un sentiment incroyable. C'est peut-être différent de ce que From Software a proposé par le passé, mais ça reste exceptionnel. Tout au long de notre aventure, on s'approprie petit à petit cet univers si mystérieux et intrigant. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de refaire le jeu avec un pote en coopération avant la sortie de l'extension, et même si je connais déjà le monde, les sensations restent toujours présentes. Elden Ring a premièrement réussi à me captiver par son exploration, pour ensuite m'immerger dans un univers qui mêle plus que jamais des environnements splendides, avec des musiques d'ambiance sublimes. Vous savez, il y a un débat qui me pète le crâne depuis 2 ans. Elden Ring aurait de moins bonne musique que les épisodes précédents. Pour les boss, on pourrait techniquement en discuter, et je réserve ce sujet dans une autre vidéo. Mais, et j'insiste sur ce point, c'est la première fois que From Software fait de véritables musiques d'ambiance pour toutes ses zones de jeu. Et c'est une réussite totale. Rappelez-vous d'un truc, à la base, j'avais acheté Elden Ring pour ses affrontements. 2 ans plus tard, j'écoute toutes les musiques d'ambiance du jeu quand j'ai besoin de me concentrer pour travailler. Parce que sur ce point, et comme je l'ai dit avant, j'insiste, c'est ce qui m'a transcendé. L'univers du jeu tout entier semble nous parler au travers de ses visuels et sonorités. Pour moi, c'est ça la force d'Elden Ring. C'est une boucle de gameplay très contemplative qui, personnellement, me fait chavirer. Une proposition différente dans un genre qu'on a déjà vu et revu des milliers de fois. On ne sait jamais à quoi s'attendre par la suite, mais on sera toujours agréablement surpris. Comme par exemple lorsque j'ai découvert Lindel, la capitale dorée, après une 50aine d'heures de jeu. À ce stade, je m'attendais à arriver à la dernière zone ou au boss final. Mais encore une fois, c'était pas du tout le cas. C'est la 2e fois que je vous montre Lindel de cette manière. Mais c'est surtout parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. 40 heures plus tôt, je n'ai pu qu'apercevoir cette ville depuis un endroit qui nous empêchait d'aller plus loin. Et entre-temps, j'ai vu tellement d'autres choses qu'elle m'est complètement sortie de l'esprit. Alors quand j'ai débarqué pour de bon et que j'ai enfin eu le droit de l'explorer, bah j'en revenais pas en fait. Parce que l'aura qu'elle transpire est absolument exceptionnelle. Un mélange complexe entre beauté resplendissante et profonde déchirure. Vous savez, la meilleure partie dans tout ça, avant même d'avoir terminé mon exploration ici, cette ville était déjà devenue ma zone de jeu préférée. Alors si vous avez fait Elden Ring et que vous me connaissez bien, vous pourriez sûrement deviner de quoi je parle. C'est un simple détail que j'ai pu croiser pendant mon exploration de la ville, qui a en quelque sorte symbolisé la consécration de mon aventure. Comme d'habitude, c'est un élément auquel je ne m'attendais pas du tout. Je découvrais simplement la région en allant de gauche à droite. Puis, à un moment, j'ai entendu un instrument. Cette rencontre, qui semble à première vue anodine, représente tout le savoir-faire de From Software. Nous débarquons après un terrible déluge dans une ville qui n'est pas nôtre, prendre un trône qui ne nous appartient pas. Ce qui fait la force des jeux de From Software, c'est qu'ils n'ont besoin d'aucune ligne de dialogue pour nous parler.
Et ce soldat musicien, dont la flûte est en parfaite harmonie avec la musique ambiante, en est l'illustre exemple. Je ne connais pas l'histoire de cette ville, ni celle de ce soldat. Et pour être honnête, je n'ai pas envie de l'apprendre. Parce que je préfère rester dans mes pensées les concernant. Pendant tout notre passage au sein de Leyndell, on sent que ce lieu semble littéralement avoir le cœur brisé. Après tout ce qu'on a vécu et traversé, trouver ce personnage qui est un ennemi que l'on peut abattre, nous apporte un moment de douceur que l'on ne pensait même pas possible. Un moment de sérénité que seul le jeu vidéo et ses interactions peuvent procurer. C'était précisément ici que j'ai vécu le plus beau moment de mon aventure. Et je tenais à vous le partager. Elden Ring n'est peut-être pas l'expérience que je cherchais au départ, mais il a réussi à me bouleverser en cours de route. Il a fait l'exploit de reprendre une formule éprouvée pour devenir le plus grand chef-d'œuvre de From Software. Je sais que beaucoup ne seront pas du même avis parce que chacun a sa préférence, mais cet épisode est pour moi leur plus grande exécution. Extrêmement complète et plus diversifiée que jamais, c'est une aventure qui se dissocie à la fois du reste de l'industrie et de leurs autres productions. Peut-être qu'il est un peu plus facile et c'est dommage, mais c'était le prix à payer pour avoir un jeu de cette ampleur. Et puis franchement, ça fait du bien d'avoir quelque chose de différent de la part d'un studio de cette trempe qui aurait simplement pu rester sur ses acquis. Non, ils se sont démerdés pour nous offrir toujours plus de qualité et même pour leur futur jeu. Miyazaki a dit lui-même pendant les Game Awards 2022 qu'il souhaitait faire des jeux encore plus intéressants que lui. Alors moi, je vais le croire patiemment et attendre le 21 juin, parce que je pense que je ne suis toujours pas au bout de mes surprises. Alors, petit mot de fin surprise parce que je l'ai appris il y a 5 minutes, mais si vous appréciez mon contenu, n'hésitez vraiment pas à aller me soutenir dans un concours pour lequel je suis sélectionné, qui me permettrait d'avoir un énorme soutien financier pour ma chaîne et un accompagnement d'un an par des professionnels. Voilà, vous avez droit à un vote par jour, pendant 20 jours, donc n'hésitez clairement pas, le lien est dans le commentaire épinglé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous!